On dirait du caca. Mmh. Ah. Muchacho. Je m'en fous, j'ai faim. Wesh la famille, c'est Adam et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors nos abonnés Instagram vont contrôler notre vie en Turquie pendant 24 heures. Donc voilà la team Insta, la team A et B, c'est ceux qui rejoignent la team Insta. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas abonné au Instagram, je le mets juste en dessous, allez vous abonner. Comme ça pour d'autres vidéos, vous allez participer à d'autres sondages. Donc je compte sur vous pour vous abonner. On va manger du thé et boire du nez. Arrête d'être gênant parce qu'on va se désabonner. C'est pas de ma faute si je suis né gênant. Bref la famille, sans plus attendre, maximum de pouces bleus pour ce 24 heures comme à l'ancienne. Exactement, le retour des 24 heures. Gnum gnum. Gnum gnum. Gnum gnum. On vient de se réveiller, il est 13h. Ouah, Adam et Bilal, qu'est-ce que tu voulais dire? J'allais dire que, en fait, pour le prochain sondage, on commence directement un saut dans la plage ou un saut dans la douche. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'on s'est pas douché, on s'est pas lavé le visage. Bref, c'est parti. Alors Adam a mis un sondage il y a 15 minutes environ. Qui va se doucher et qui va aller à la plage faire le premier plongeon de la journée? Alors pour le matin, qui fera une douche tranquille, Adam ou Bilal? À 54% Adam, l'autre du coup, ira directement à la plage. Ça me dérange pas, je suis en Turquie, je suis en vacances. Quitte à aller à la plage et faire un bon plongeon dès le matin. Merci les abonnés, vous m'avez pas du tout fait chier pour le coup. Personnellement, pour moi, une petite douche tranquille pour bien commencer la journée. C'est parti. La famille, maximum de pouces bleus. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage. C'est parti. Coucou les garçons. Voici l'hippopotamus qui a mal à l'anus. Arrête. Bon les amis, vous savez ce que c'est une douche, hein. Pour ma part, les 24 heures commencent très bien. Pas du tout. Douche finie. Le plus important, c'est Bilal à la plage. On y va. Ça fait 10 secondes. Salut ma chérie. Parce que tu pues. Ça pue ma gueule, ça pue l'alcool. Perfect. Avant d'aller nager, j'ai pas le choix. Je dois mettre ma première patate, on y va. Allez, ça c'est pour toutes les filles de la chaîne YouTube. Oh, ça c'était une Superman punch les gars. Le 240 s'est absolument éclaté, mais la machine est truquée, Bilal il a raison. Perfect. Bon c'est parti en espérant que la mer elle soit pas trop salée. J'espère qu'elle va être sucrée. Les gens ils me regardent comme si on avait une calage criminelle dans les mains. C'est parti. Elle est super bonne, comme ta... Peggy 18. Bon, on est rentré avec Adem, je vais à la douche. Je sais que j'ai peut-être potentiellement triché, mais les abonnés, il faut vous rendre à l'évidence. Tu crois vraiment que je vais passer toute la journée collant comme une sirène? Oh, je commence à être un coquillage. Regardez l'état de mes claquettes. C'est mort. À la douche. Dites en commentaire. Ouais, Bilal, t'es qu'un sale tricheur. Tu respectes pas le 24 heures. Hé, hey, je suis allé à la plage. Après, je fais ce que je veux. De toute façon, Adem, ça c'est hors caméra. Vas-y, coupe, coupe. Perfect. Vous aussi vous faites ça dans votre douche? Oh ta gueule! Merci! Ah, tu vas la fermer, oui! Casse-toi, frère! Eh, hey, il abuse. Bon, c'est bon, la famille, on est prêt. On va tout simplement passer au prochain sondage. Petit déjeuner sucré ou salé? Étant donné qu'on a rien dans le ventre et j'ai hyper faim, j'espère commencer avec du sucré, hein, logiquement. Eh, hey, moi, direct de la grosse bouffe, je veux du salé. Bon, c'est parti, on y va. Tout droit dans un magasin. Je pense qu'on va aller au Migros, c'est comme un Carrefour Market. Bon, désolé s'il y a des cris de chiens. Il y en a partout en Turquie, on est infecté de chiens. Je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Je sais pas s'il a l'air gentil ou il a l'air méchant. Dites en commentaire. Salut toi. Il a hyper chaud, le pauvre. On va le laisser, on va éviter de se faire dévorer, on y va. C'est parti, c'est un truc de malade la chaleur en Turquie. Il fait 40 degrés tous les jours. C'est parti, on va se désoiffer. J'ai pris du fiusti à la pastèque. Bismillah. One shot.
Ça a des soifs de malade, c'est super bon. Bon, là j'ai pris des chamallows au chocolat. Je sais pas si ça existe en France. Ah si, ça existe. Mais c'est pas sous cette forme. En tout cas, vous avez deviné, hein. Sucré ou salé? J'ai perdu. Enfin, de toute façon, je voulais du sucré, donc du coup, j'ai gagné. Dites en commentaire si vous, le matin, vous êtes plus sucré ou salé. Moi, personnellement, je m'en fous. Je mange tout. Ah, il y a plein d'avions, on est juste à côté de l'aéroport, vous entendez? My donuts. Je sais que je suis pas logique. Au lieu de prendre des spécialités turques, je prends des spécialités américaines. Le donuts. On y va. Pas mal. J'ai pris le même en rose, façon Simpson. Bon, je vais finir le petit déjeuner tranquillement et je vais filmer Adem manger son salé du coup. Waouh! 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 Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est du couscous écrasé avec la main comme ça là et c'est blindé de pique. C'est super bon. On dirait du caca. C'est bien assaisonné de tomates, de piment turc. My Doritos, elles sont doritantes. Par contre, ça donne très soif et j'ai la solution. Mais Bilal, qu'est-ce que c'est que de l'ARAN? En fait, c'est de l'eau et du yaourt avec du sel. Donc c'est salé, j'ai pas perdu. Et personnellement, moi le matin, je mange tout. Tout ce qui bouge, je le dévore. Ah. C'est frais, c'est délicieux, ça donne envie de tout boire. Eh, vous voyez ça les abonnés? C'est 50 livres turcs, ça représente 4 euros à peu près. Là j'ai 100 livres, ça représente 8 euros à peu près. Le plus gros billet c'est 200 livres, dites en commentaire les turcs. Parce que moi le plus gros billet que j'ai vu c'est 200. En gros l'équivalent de 20 euros. T'as bien mangé? Délicieux, impeccable. Perfect. Bon, dites en commentaire combien vous notez. Moi je suis plutôt content de mon achat. Je pue de la gueule en dessous du masque. Comme vous avez pu voir, on est en centre commercial. C'est parti pour acheter plein de trucs. Adios noches coches. Bon la famille, finalement j'ai craqué, je suis venu chez Nike. Je suis venu. Et regardez ce que j'ai pris, le maillot du Galatasaray. Franchement, il est magnifique. Et je compte le prendre. Dites en commentaire s'il est beau. Pour ma part, muchacho. J'ai envie de t'embrasser. C'est bon, je peux le remballer, c'était juste pour la vidéo. La vie de ma mère, c'est moi qui a payé, j'ai trop le seum. Perfect. Alors Adem, pour 70%, il doit manger une spécialité turque de son choix. Et moi, bah, je dois manger un fast-food et j'ai choisi KFC. J'ai pris un bon burger avec du poulet à l'intérieur, des bonnes frites. Coco. Regardez-moi ça, j'ai pris le double zinger de chez KFC. 26 livres turcs en euros, ça fait 3,50€ environ. Je me régale. Bon la famille, regardez l'assiette. On appelle ça un pide. En réalité, je voulais pas goûter aux spécialités turques. Je sais déjà ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave, on goûte. C'est dégueulasse. On a déjà goûté des pidés auparavant dans des restaurants. Ils étaient 100 fois mieux. Là, ils sont vraiment pas ouf. Arrête. Eh, je vous jure, Adem, il a triché. Regardez, il est où? Je m'en fous, j'ai faim. Personne peut m'arrêter quand j'ai faim. Perfect. Bon les amis, c'est bon. J'ai mis le prochain sondage sur Instagram. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Du quad ou de la randonnée? Verdict dans 15 minutes. Bon la famille, on a un petit problème. En fait, les quads, fallait les réserver un jour à l'avance. Et en mode, c'est un safari. Ça veut dire on part à 7h du matin avec toute la famille jusqu'à 19h le soir. Du coup, c'est pas possible. Alors Adem a eu la merveilleuse idée de faire du jet ski, la famille. On va bien s'amuser dans l'eau. Plus de temps à perdre. J'en ai jamais fait de ma vie. Et toi aussi d'ailleurs. C'est la première fois. On y va. Eh la famille, on a eu une de ces dingueries, sa mère. La caméra, elle a pris l'eau dans le bateau, genre pendant 2 heures. Elle voulait plus rien savoir, la caméra. Du coup, on est rentré, on l'a séché avec du riz. Elle faisait même plus les focus, c'était n'importe quoi. Elle bégayait, la caméra, elle faisait des clins d'œil bizarres. Elle faisait des dabs, alors qu'on est en 2020. Bref, là, on est retourné à la côte. La côte vers ici, là. Faut que t'arrêtes au bout d'un moment, c'est nul à chier tes blagues. Eh, en vrai, comment j'ai la haine du mec. La vie de ma mère. Il est là, il a démarré le bateau, la caméra s'est mouillée. Là, vous voyez, on est heureux, tout ça. Hein. Mais la vie d'homme qu'on était trop triste. J'ai chialé, mais faut le dire à personne. Alors, Adem, j'ai un petit jeu à te proposer. Ok, vas-y, je t'écoute. Cote à combien tu manges une cote?
Dis-moi la vraie cote, s'il te plaît. Cote à combien tu vas m'acheter une glace avec ton argent? Il fait super chaud, et comme je suis généreux, je te la fais gratuitement. Ouais, mais fais quand même le cote, j'ai envie de jouer. Ok, cote à 1. T'as pas le choix, j'y vais en fait. 1, 2, 3, 1. J'y vais. C'est un bouffon, votre pote. En tout cas, il fait super chaud, une glace, ça va me faire plaisir. Eh, hey, Adem, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, mon ref? On est d'accord que tu prends rien. Wow, ça se fait à poche, au moins un petit truc à boire. Rien de rien. Il va me regarder manger ma glace. Tiens, mon ref. Merci. Ça part sur ça, regardez. Ça se paye où? Là. Oui, salam, allez, comment on se met? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Passe-moi ton quad, fils de... Oh, il a crevé. Voilà, il a crevé. Ça, c'est l'œil du lynx, ça. Chah. J'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, on va faire que de manger. Ça rafraîchit, ça rafraîchit. Dédicace à Ahmed. Elle est dégueulasse. Non, sérieusement? Ouais. Mais attends, on dit merci qui? C'était mon argent, de façon. De toute façon, ton argent, c'est mon argent. Ta mère, c'est ma mère. Ton père, c'est mon père. Perfect. Alors Bilal, cote à combien tu dois battre le record en jeu de patates là-bas? Et si tu le réussis pas, tu me payes un beau tour en bateau. On a déjà fait des patates tout à l'heure, mais c'était pour rigoler. Ah, la mouche, ça me fait des guilis. Du coup, Adem, si j'ai bien compris, je ne suis pas pénalisé. Eh, j'avoue, je suis con ou quoi? Eh, pour le plaisir, on est en vacances, c'est parti. De toute façon, on a fait exprès de faire ce jeu, tout simplement pour faire un vlog. C'était une petite excuse pour faire le truc en bateau. De toute façon, on s'en bat les reins. C'est juste pour rigoler tout ce qu'on fait. Hein, Adem? Oui. On bat les couilles. Bon, le record, c'est 2937. Désolé s'il y a de la musique, c'est ambiançant sur la plage. On y va. Ah, c'est éclaté. C'est 2078 ce que je viens de faire, c'est nul à chier. Bon, on va les laisser faire les rigolos. Je vais le laisser faire le dur à cuire. On sait très bien c'est qui le plus chaud en bagarre. Allez, on y va. 2205, je suis éclaté quand je bois du thé. Attendez, il y a un avion. Alors mon record personnel c'est 2200 environ. Si Adem bat mon record, je vais sous la douche habillé. Tu valides, Adem? Ouais. C'est les douches derrière là-bas là. Eh oh, chicas. Chicos. Chicas. Bilal, je suis malheureux de te dire qu'avec une seule claque, je vais t'atomiser. On échauffe la machine. Wouah. J'ai battu et Bilal et les jeunes de tout à l'heure. J'ai pas le choix, c'est pour la famille. On y va. Adios noches. C'est bon, allez, défi réussi. Heureusement, on est en Turquie et je sèche très vite avec le soleil. Ça fait du bien de malade. Tu vas pas le regretter. Donne-moi la caméra et va. Allez, Adem. Gidiyor adam, yarı şapı, tamam mı? Turkish, 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 Turkish. 298, Turkish. Ouais, je suis le plus fort. Tebrik ederim, gel. Tebrik ederim seni, güzel kardeşim. Voilà, je l'ai atomisé. En tout cas, par rapport à la Turquie et les Turcs, c'est magnifique. Les personnes sont souriantes. Elles savent t'accueillir, elles savent te faire manger, elles savent te parler, elles savent rigoler. Les gens sont magnifiques. Perfect. Bon, on s'est posé, là, on est en train de bronzer au calme, avec un petit peu de musique. Je veux bien une petite boisson. Ouais, bois ma pisse, va nager. Ok. Je crois bien que je vais le rejoindre. Allez, tous à poil, tous à l'eau. Elle est où la GoPro? Vas-y Bilal, celui qui fait la plus grosse grimace sous l'eau. Bon, c'est parti, on embarque dans le bateau. Allez, on y va. Bon, la famille, on est dans un bateau. Petit supplément. Wesh. La caméra, wesh. Mais merde. On peut voir derrière les grottes de Matata. Y'a mon tonton, il arrive. Avouez la famille que c'est magnifique. Regardez-moi tout ça là-bas. À ce qui paraît ici, quand il pleut, il y a un tsunami. Ah, on dirait pas, y'a un dinosaure, il va sortir. Ouais, c'est moi. En fait, la Turquie tient sur ses rochers. S'il n'y a pas ces rochers, il n'y a plus de Turquie. Il y a 42 mètres de haut, ce qui fait l'équivalent de rien du tout. Je sais pas en fait. C'est vraiment magnifique! Alors juste derrière moi, voici les chutes de Duden. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, il est éclaté. Alors il y a 40 tonnes à la minute qui tombent d'eau. C'est merveilleux, franchement c'est les meilleures vacances de toute ma vie. C'est éclaté. Non, je rigole. Attends, attends, Duden, regardez. Oh là 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 là, c'est magnifique, regardez-moi ça! Hey, 10 sur 10! Et toi? 9 sur 10, parce qu'il n'y a pas à manger. Me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Sans motif, ouais. Ah, c'est sans motif. Je me suis trompé dans les paroles. Akan babacan. Akan babacan yara seni mele izele mi yara seni oye. Oraya yara seni mele mele yara. Çok çok kötü oğlum. Lan çok kötü oğlum. Lan çok kötü oğlum. Kötü yer oğlum.
Sasuke Naruto Uchiwa, Azerbaïdjan. Bon, c'est parti, tournage de Pirates des Caraïbes avec le bateau. Non, je rigole, je vais nager, j'ai envie de nager. Ouais, j'ai plus rien, requin, wesh. Allez, ciao. Ouais. Voilà la famille, c'était une journée ordinaire de ce qu'on fait à peu près la journée, hein. On a assez profité, Bilal. C'est vrai, c'était magnifique. Il faut savoir, la famille, qu'il y a des choses que vous voyez pas forcément. Comme par exemple, la caméra, elle a pris l'eau. Pendant 2 jours, on n'a pas pu filmer. C'est plus un 74 heures. Qu'un 24 heures. Mais bon, c'est pas grave, à la fin, on s'est quand même super bien amusé. Ça donne un bon résultat. Dites en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Merde, casse-toi, fils de ta mère, va. On peut quand même s'accorder un petit peu de vacances, ça fait plaisir. Mini. Ah, mon frère. Vas-y, vas-y, passez. Après, c'est répétitif, hein, on va pas faire tout le temps la même chose. On mange, on nage, on fait du bateau, on fait des activités. C'est à peu près tous pareil en vacances, hein. Du coup, c'est répétitif et c'est chiant. On souhaitait aussi s'excuser. 10 jours sans vidéo, c'est quand même énorme. On est vraiment désolé. Beaucoup de galères. Bref, la famille, maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'est Adam et Bilal. Salam la famille. La sensation du sable dans les fesses. C'est dégueulasse. Perfect.